Salut les amis. Salut Woody. Salut. Bonjour. Merci de garder les enfants aujourd'hui. Oh, on va s'amuser comme des fous. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'étais juste en train de manger un morceau. Un seul? Hey, c'est l'uniforme des scouts de la plume que vous portez. Eh bien, moi aussi, j'étais un scout de la plume. Est-ce qu'ils t'ont donné une médaille pour t'être gavé de cochonneries à l'époque? Pour ton information, ma petite Splinter, Woody de la jungle est devenu une légende dans l'histoire des scouts de la plume. Je peux vous aider à gagner une médaille tant qu'on est ensemble? Oui, je pense que ça peut se faire. Ouais, ça peut toujours servir d'apprendre comment faisaient les anciens. Super, j'ai bien fait de garder mon uniforme des scouts de la plume. Eh, vous avez vu, il me va toujours comme un gant, non? Oups. On commence par la médaille de survie. Ça a toujours été ma préférée. Il y a 3 étapes pour obtenir une médaille de survie. Chercher de la nourriture, allumer un feu de camp et installer un abri. Pouh, y a rien de plus facile pour un scout débutant, Knothead. Je vais vous montrer. Ouais, si tu le dis. Première étape, chercher de la nourriture. Pour connaître la liste des plantes comestibles... C'est pas dans les livres qu'on apprend à survivre dans la forêt. Il faut le vivre. Vous n'attraperez jamais rien avec ça, vous savez. Voilà! Cette canne à pêche ne fait pas très Woody de la jungle. Je te signale que cette canne à pêche est... Quoi? J'ai attrapé quelque chose. Attends, moi aussi. Oh, pitié. Observez, prenez-en de la graine. Aucun poisson chat au monde ne résiste à la canomatique ultra pro. Cette canne est... Essayons de rester simple pour l'étape numéro 2. Ça vous va? Brindilles, étincelles, joli feu de camp. À vrai dire, j'ai des allumettes dans mon sac à dos, Woody. Et le guide dit qu'il faut... Je peux essayer aussi? Les guides de survie, c'est pour les nuls. Tada! Je vous remercie. Merci beaucoup. Pourquoi tu filmes pas ça? Woody! Vous sentez cette bonne odeur de feu de camp? Ça vient de ta tête! Quoi, ma tête? Ah non! J'arriverai pas à regarder cette fois! T'inquiète pas! Je posterai toutes les vidéos sur YouTube et tu pourras les regarder plus tard! Ça va là! Oh, pourquoi ça tient pas? Comment ça marche? L'étape numéro 3 vous prend beaucoup trop de temps! Mais il faut bien qu'on apprenne comment installer une tente! Les tentes, c'est pour les nuls! Suivez-moi! Tada! C'est largement plus robuste que votre tente! T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Mais non, venez! Mais dans le guide, il conseille... De regarder avant s'il n'y a pas de signe de la présence d'un animal! Splinter! Quoi? Si je filme pas, comment est-ce que tu veux que ça devienne viral? On n'a pas eu de médaille de survie, mais le badge de premier secours, il est super cool! Et grâce à tes échecs catastrophiques en série, mes vidéos sont devenues virales! Oh, Woodrow, est-ce que tu souffres toujours autant? Seulement quand je cligne des yeux. Ça tombe bien. J'ai l'impression que le fait d'avoir tous les os cassés m'a donné faim, finalement. J'ai vraiment besoin de reprendre des forces. Qu'est-ce qu'on mange? Du poisson chat. Du poisson chat. Ça, c'est de l'or en barre.
Ha 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 ha!